vois. Cass, elle parle avec le mec. Ah ouais? Ouais. C'est un... Mais elle a raison, ça, dit, hein. Mais non, Pecha Giovanni, vous êtes des ouf, vous. Mais Giovanni, ah ouais, c'est voilà. Meilleur ami. Ah, ça y est, arrête un peu, toi. Mais vous êtes des ouf. Mais tu le connais, je le connais, vas-y, arrête. Mais de quoi je le connais? Quoi? Je te tiens pas, là. Là, il est vraiment sérieux. Eh, toi, tu cherches l'embrouille, là. Je te jure, il est vraiment sérieux. Je cherche l'embrouille, mais il faut me le ramener, je le connais, il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Là, il est vraiment sérieux pour le coup. Non? On en reparle dans très peu de temps. C'est vraiment pas cool ce qu'il fait Tommy là. Entre mecs, la solidarité là, elle est pas présente. Hein. Je n'aime pas son comportement parce qu'il a dit on en reparle dans quelques jours, dans quelques mois ou je sais pas. Il sera dans plus avec jours. Toi parce qu'il est pas sérieux. Je le dis. Voilà, ah, viens là. Ouais, elle a sorti la lettre. C'est quoi comme lettre? Elle a fait une déclaration. Toi? Non, pas bah moi, arrête. Non, Giovanni. Je peux la lire, s'il te plaît? Non. Mais je pense que tu te trompes. Je pense que quelqu'un peut changer totalement. Et je pense que quand t'as un coup de cœur pour une personne qui est sincère, tu peux avoir un déclic et tu après, dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu m'as dit la même chose. Mais le connaissant, comme j'ai dit, j'ai passé des vacances avec lui, j'ai passé des soirées avec lui. Ouais, mais c'était avant. Il était célibataire. Je l'espère. On verra. J'aurai une discussion avec lui, ce concernant. Mais tu pourras lui dire, tu pourras lui dire, Tommy, voilà. L'enfonce. Ouais. Tu pourras lui dire. Ouais, ouais. Sinon, je m'en chargerai. Après, j'entends certains trucs, ça me déplaît. Et vraiment, après, je pourrais le voir, en discuter avec lui. Je comprends pas du tout le comportement de Tommy, en fait, d'avertir comme ça Cassandra à ce point. En plus que c'est ton ami. Giovanni, c'est ton ami, tu l'enfonces, il est pas là. Tu dis ça à sa copine. Mais tu te prends pour qui, en fait? Je comprends pas le comportement, je comprends pas dans quelle démarche tu viens là. Tu viens pour nous séduire ou tu viens pour enfoncer tout le monde qui est dans la villa? Déçu un peu. Quoi? Je comptais venir un peu te voir et tout, mais bon. Ah, c'est vrai? Genre, s'il te plaît. Ouais. C'est vrai? Mais je le sais, Giovanni le sait, tout le monde le sait. Je suis jamais caché. Je savais pas, moi. Hein? Je savais pas, moi. J'ai pas montré parce que tu vois, je suis un peu cachotier et tout, mais bon. Au fond, à la fin, tu l'as vu, un peu les messages, un peu ci, un peu ça. Il y avait deux, trois pics un peu. Mais tu l'as pour ton mec, bonheur. C'est ouais. Pas forcément un mec sérieux, mec. Ouais. Pourquoi? Tout le monde a l'air de me crier dessus. Tout le monde peut changer. Moi, je peux changer. Est-ce que t'as envie de changer? J'ai envie. Avant, j'ai envie. Tu es prêt à changer pour moi? Bien sûr. Bien sûr. Allez, les mecs, je te rends droit dans les yeux. Regarde moi dans les yeux. Dans les yeux, je suis sérieux. Bien sûr. Mais Giovanni, il le sait, j'ai eu une discussion avec Giovanni, j'ai une discussion avec Alan, je suis avec lui. Avec Alan? Mais bien sûr. Je peux lui parler et tout. Et je te parle pas des raisons pourquoi. Parce que tu me plais. Et franchement, il y a ce feeling, il y a tout entre nous. C'est pas vrai? Dis la vérité. Non ou pas? Ah, il me tient! Dis la vérité. C'est pas vrai? Si, on rigole bien. Voilà. Je viens de parler à Tommy et au même temps, il est collé avec Carla. Je comprends pas, elle s'est accaparée de Tommy. Elle a très bien vu qu'on s'intéressait, qu'on a parlé. J'ai l'impression que Carla veut se venger de ce qui s'est passé ce matin et du coup, elle veut me le faire payer. Et elle le fait ça en se rapprochant de Tommy. Mais avec tout ce que j'ai vécu avec mon ex... Tu mérites pas de ressouffrir. J'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une vraie relation. C'est bien. C'est voilà, c'est bien, j'entends ce que tu me dis. Parce que moi, je vais pas m'amuser, je cherche seulement à me poser. Hein. Bien sûr, mais moi aussi, je te parle sérieux. Tu serais pas arrêté toutes tes fêtes, toutes tes soirées? Il y avait un petit passage, voilà. Après, je te raconterai ma vie plus tard. Après, on va se revoir, tu penses? Je veux, pourquoi pas? Je veux pas. Je me sens très bête parce que j'étais super gentille avec Carla, même après toute la scène qu'elle m'a fait ce matin. Et du coup, je me suis fait prendre pour une idiote encore une fois. Franchement, je vais compter toutes les fois qu'on me prend pour une idiote dans cette ville-là. Ça va être incroyable parce que là, franchement, coche. Moi, bah, tu sais, je n'ai jamais eu d'adolescence. Jamais eu d'adolescence, tout, donc tu vois. J'avais besoin de cette période. Ça y est, c'est fini maintenant. C'est bien. C'est bien, si t'es prêt à changer, c'est bien. Mais bon, t'as intérêt de gérer ce Nico et ça y est. Ah, carrément! Ah, il impose! Je décide de filmer quand même ce qui se passe parce que tout d'abord, Nico me l'a demandé. Je comptais ne pas le faire, mais tenant en compte la situation pendant cette soirée tentation, bah en fait, je vais le faire. Carla, elle a un copain à la maison, c'est pas comme si elle avait besoin de plaire à cette soirée. T'as dit voir la grand-mère copine, hein? Hein? T'as dit pas copine, elle te plaisait quand même. Oh.
Ouais, elle me plaisait, mais bon, j'avais le choix numéro un, frérot, c'est... C'est moi, quoi. Et j'assume. J'envoie la vidéo parce que, en soi, si elle a rien à se reprocher, bah la vidéo, on s'en fiche. Elle en parlera avec son copain.